Anticiper, sécuriser, savoir réagir, c'est le mot d'ordre que l'Éducation nationale a donné aux chefs d'établissement scolaire pour assurer la sécurité de leurs élèves et des personnels face à la menace terroriste. Outre le renforcement de la surveillance des établissements par les forces de l'ordre, l'accent a été mis sur la prévention auprès des parents et des élèves. Tout a été activé à partir de, malheureusement, novembre 2015. Et donc, à cette rentrée scolaire, nous avions pour consigne de réactiver l'ensemble des actions de sécurité, de mise en sécurité, d'explicitation aux élèves, d'explicitation aux familles de pourquoi nous avions ces actions à mettre en place en termes de prévention, en termes de bons gestes à avoir, en termes de responsabilisation aussi, les familles qui ne s'agglutinent pas devant les portes en attendant que le petit de la maternelle passe sa matinée avec les poussettes, avec les enfants devant les écoles. Voilà. Nous avons travaillé avec les forces de gendarmerie et de police sur la mise en sécurité des établissements, et notamment l'activation des plans particuliers, de mise en sûreté. Et nous avons aussi travaillé sur la formation de nos cadres, la formation de nos équipes, la formation des enseignants et l'information des familles. Faire passer ces nouvelles consignes aux élèves sans tomber dans la psychose, c'est ce que les chefs d'établissement et le corps enseignant souhaitent appliquer, comme ici au lycée Charlemagne. En termes de sécurité en établissement, donc on a mis en place le plan particulier de mise en sûreté, comme tout établissement. On a aussi donc une présence au portail un peu plus accrue, et on a travaillé avec les relations, les pouvoirs publics sur ce dossier, le commissariat, la préfecture et la DRAF, et on appliquera bien entendu les consignes qui ont été données par notre ministre. Du côté des élèves, pas plus d'inquiétude, mais une certaine résignation. Oui, il vaut mieux quand même. C'est plus pour les élèves, tout ça, c'est plus important. Et normal, ça l'est pas, non, mais c'est quand même, on en est réduit à ça, donc je pense que c'est une obligation maintenant, oui, pour être en sécurité, ouais. Enfin, 3 exercices de sécurité seront organisés dans les établissements au cours de l'année.